Il est l'idole de tout le peuple macédonien, recordman de sélection, recordman de but. Le capitaine légendaire des Lions Rouges a offert à son pays sa première participation à une compétition internationale majeure. Porte-étendard de la Macédoine et joueur historique de Serie A, retour sur la carrière de la légende Goran Pandev. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Goran Pandev est né le 27 juillet 1983 à Strumica, grande ville du sud de la Macédoine, appartenant alors à la Yougoslavie. Il fait ses classes dans le club local, le FK Belasica, et attire très vite l'attention pour ses aptitudes balle au pied. À 18 ans, pour sa première saison en D1, il est l'une des révélations du championnat macédonien. Le milieu de terrain tape dans l'œil des recruteurs de l'Inter, qui le transfère à l'été 2001. Il est déjà considéré comme le grand espoir du football macédonien. Encore un peu tendre pour le club milanais, Goran part en prêt trouver du temps de jeu. Il rejoint d'abord Spezia, en 3e division italienne, puis découvre la Serie A avec le club d'Ancona. Il participe d'ailleurs à la pire campagne d'une équipe en 1ère division italienne, le club récoltant seulement 13 points en 34 matchs. Pas de quoi impressionner les dirigeants de l'Inter, qui le refourguent à la Lazio dans le cadre d'un échange avec le Serbe Dejan Stankovic. Bonne pioche pour le club romain. Son talent éclate au grand jour. Dès ses premiers matchs, il se balade dans les défenses italiennes, à l'image de ce but contre la Juventus, où il se joue de Cannavaro, Thuram et Zombrota, avant de crucifier Gianluigi Buffon. Le gamin s'impose comme titulaire en cours de saison. Sa patte gauche et sa vision du jeu font le bonheur des Bianco Celesti, où il devient d'année en année un buteur de plus en plus clinique. Cependant, son histoire avec la Lazio se termine mal. En mai 2009, Pandev exprime son désir de quitter le club. Vexé, le président Claudio Lotito décide de le mettre au placard. Goran est exclu du groupe et passe les 4 derniers mois de la saison à s'entraîner seul, sans jouer un seul match. Plusieurs clubs se montrent alors intéressés pour un transfert, mais Lotito rejette les 13 millions du Zénith Saint-Pétersbourg, indiquant que Pandev en vaut au moins 15. Mal lui en a pris, Pandev fait appel à la justice italienne pour obliger Lotito à le libérer de son contrat. Parti gratuitement, le Macédonien fait son retour 2 mois plus tard chez les Nerazzurri, dirigé alors par un certain José Mourinho. Avec Samuel Eto'o et Diego Milito à ses côtés, il formera un trio d'attaquants qui terrorisera les défenses d'Italie et de l'Europe tout entière. L'Inter roule sur la Serie A, remporte la Coupe d'Italie, efface le tenant du titre Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions, avant de battre froidement le Bayern Munich pour s'offrir un historique triplé. Titulaire lors de la finale, il devient le 3e joueur macédonien à remporter la reine des compétitions, après la légende Dorka Pantsev et Ilija Najdowski, tous deux joueurs du Red Star Belgrade, vainqueurs de l'OM en 1991. La saison suivante, Pandev ajoute à son palmarès la Coupe du Monde des clubs, ouvrant le score en finale face au TP Mazembe. Il inscrit également le but décisif à la 88e minute pour éliminer le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des Champions. Il ponctue son histoire avec les Nerazzurri en soulevant un nouveau trophée et une nouvelle Coupe d'Italie après une victoire 3-1 face à Palerme. Après avoir fait le plein de titres avec l'Inter, il est prêté à Naples pour soutenir Edinson Cavani sur le flanc de l'attaque Azzurri. Le génie macédonien se met rapidement le public de San Paolo dans la poche, avec notamment un doublé contre la Juventus qui fera plaisir au speaker du Napoli, Decibel Bellini. Il s'offre cette saison une nouvelle Coupe d'Italie, la 4e consécutive, avec un 3e club différent. Avec Pandev, Calleron, Insigne, Hamsik et Cavani, Naples dispose d'une des plus belles attaques d'Europe, la plus prolifique en Italie. Insuffisant pour concurrencer une Juventus intouchable, Goran Pandev terminera au mieux dauphin lors de l'exercice 2012-2013. Il se console avec sa compétition préférée, la Coupe d'Italie, qu'il remporte pour la 5e fois en 6 ans, en 2014, pour son dernier match avec le Napoli. En 2014, il quitte enfin la botte, direction la Turquie et Galatasaray. Une aventure qui sera brève. Il ne joue que 4 matchs avant de revenir dans son championnat de prédilection, cette fois-ci sous les couleurs du Genoa. Goran a déjà 33 ans, mais pas question de penser à la retraite. 5 saisons plus tard, ce dernier est toujours présent dans la région de Ligurie.
Il a même dépassé la barre des 100 buts en Serie A en 472 matchs disputés dans l'élite italienne. Une stat qui fait de lui le troisième joueur étranger le plus capé de l'histoire du calcio, derrière Javier Zanetti et Samir Handanovic. Rien que ça, messieurs dames. C'est indéniable, Goran Pandev a marqué la Serie A de son empreinte. Sur ses terres, il est tout simplement considéré comme un demi-dieu. Recordman de sélection, recordman de buts, Pandev est l'idole de tout un peuple, une sorte de messie footballistique. Et à 37 ans, il sera bien sûr le capitaine de sa sélection pour l'Euro 2021. Il a guidé son pays dans toutes les campagnes de qualification depuis 2001. À l'occasion d'un doublé magistral face à l'Espagne en 2009, il devient le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. 10 ans plus tard, il fête sa 100e sélection face à la Lettonie. Puis vend son maillot l'année suivante pour aider les hôpitaux macédoniens à lutter contre le coronavirus. Goran fonde également un club destiné à la formation des jeunes talents macédoniens, l'Academia Pandev. Il y a quelques mois, il offrait à son pays face à la Mannschaft la plus belle victoire de son histoire. Le tout, quelques semaines avant une qualification historique. Pourtant, tout aurait pu être différent. En 2013, Pandev annonçait sa retraite internationale après une campagne de qualification infructueuse. Mais après 2 ans sans porter le maillot national, il fait un comeback surprise en 2015. Un dernier chapitre avec sa sélection, le temps d'écrire les plus belles pages de son histoire. D'abord en Coupe des Nations, avec une première place synonyme de qualification pour les playoffs de l'Euro, puis en demi-finale, avec une victoire à l'arraché face aux voisins kosovars, à un pas d'une qualification historique. La Macédoine réalise l'exploit face à la Géorgie en venant s'imposer 1-0 sur un but de leur capitaine légendaire, Goran Pandev. À 37 ans, il vient d'offrir à son pays sa première participation à une compétition internationale majeure. Je suis vraiment heureux, vraiment ému. On a fait une grande partie, une grande victoire pour notre peuple, pour nous tous. C'est un rêve qui devient réalité. On est en Coupe d'Europe. Dans la peau du petit poussé, Goran Pandev et la Macédoine pourront-ils semer le trouble? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.